Avec les petits gens, bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Donc on se retrouve ensemble pour voir les énergies pour la journée du jeudi 27 mai 2021. Donc c'est parti, on va aller voir un petit peu la tendance du jour. Ouh, on a la carte des... Hop, ça y a de la lumière. La carte des deux flûtes qui a sauté. Donc, il y a quelque chose là, un événement joyeux qui vient à vous. Ça peut être une promotion, ça peut être une invitation. Une invitation à un repas, à une fête, un mariage. En tout cas, il y a quelque chose à fêter. On va faire péter le bouchon. Bon, évidemment, vous décalez, hein, ça sera peut-être pas pile jeudi, mais peut-être pour dans le week-end, par exemple. Ou peut-être que vous avez déjà fêté quelque chose, là, il y a 2-3 jours avant. Hey, mais on retrouve cette carte et on a la carte de l'homme mûr. Donc, soit en fait, vous pouvez fêter un départ en retraite d'une personne. Soit d'ailleurs, ça peut être, même si ce n'est pas la carte du consultant, ça peut quand même vous représenter. Tout dépend de l'âge que vous avez, de la sagesse que vous avez. Comme ça reste du tirage général et que je n'ai personne en face de moi, je suis obligée de faire tous les cas de figure. Pourquoi pas, ça peut être vous qui fêtez votre propre départ. Peut-être que vous souhaitez, alors ça peut être sous forme de crémaillère si ça concerne un logement, mais ça peut être aussi dans le sens professionnel. Vous êtes content de partir d'où vous êtes pour de nouvelles aventures ailleurs, dans une autre région ou autre. Et sinon, ça peut être aussi représentatif qu'on fête quelque chose de joyeux concernant donc un homme d'un certain âge qui a quand même environ 65 ans. Donc, ça peut, pourquoi pas, lui fêter son anniversaire, lui fêter, je sais pas moi, la vente de sa maison, ce que vous voulez. Donc, ça peut être votre papa, ça peut être votre grand-père, ça peut être votre tonton. Ça peut être aussi votre mari ou votre femme, si vous êtes dans cette tranche-là d'âge, pardon, ou qu'il y a de la différence d'âge entre vous. Voilà, vous mettez selon vous. Non, je voulais couper, mais j'ai pas eu le temps. Ça a sauté. Bon, on a une décision qui arrive pour vous là, soit une décision que vous attendez, soit c'est vous qui devez prendre une décision, un nouveau chemin. En tout cas, on nous dit qu'il y a un vrai coup de chance là, vous êtes protégé, l'éléphant c'est un symbole de protection et de chance. Donc ça peut être aussi bien financier, matériel que opportunité. Ouais, il y a une décision à prendre concernant le fait de bouger les choses, de bouger des choses dans l'énergie, dans vos, de mettre de l'action en place. Et sinon, c'est vraiment une décision à prendre concernant un déplacement. Un déplacement, un voyage ou un déménagement. D'accord? Allez, pour ce 27 mai 2021, pour mes amis qui me regardent sur la petite mélange, c'est parti, clac, ah bah je vous le fais en, oui je vous le fais en croix, j'ai envie, clac, 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 D'autres decks, on a la flûte cassée. Flûte cassée qui est symbole de quoi? Qui est symbole de nervosité, de colère, de stress. Ça, c'est au niveau des énergies. En vous, mais ça peut être vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être une dispute, une colère qui va avoir lieu. Sinon, c'est dans le sens qu'on décide aussi de couper quelque chose. Donc, ça peut être de stopper un contrat de travail, stopper une relation, ça c'est, voilà. Et on a quand même cette carte d'éléphant qui ressort juste derrière. On vous dit bien qu'il y a un coup de chance, hein. Donc, soit
Soit vous décidez de stopper une relation ou un contrat de travail et justement ensuite une opportunité que c'est vraiment perçu comme un coup de chance que vous stoppiez cela. Soit c'est plutôt dans votre état émotionnel où vous allez vous sentir plutôt sur les nerfs, là, un peu nerveux, stressé, énervé. Soit parce que vous attendez un retour d'opportunité ou bien parce que cette opportunité vient à vous et ça vous déstabilise et ça vous stresse, ça vous rend nerveux. On a cette carte de la femme d'ailleurs, ça peut venir, vous avez une opportunité, un coup de chance qui peut venir grâce à une femme d'affaires, une femme en tout cas, même si elle n'est pas dans les affaires au sens propre, enfin, c'est une femme, voilà, ça peut être une conseillère, ça peut être... conseillère emploi, conseillère immobilière, ce que vous voulez. Bon, quand même, c'est une femme normalement qui est dans les affaires, mais c'est quelqu'un qui a l'écoute, qui est. C'est une personne qui est positive pour vous, quoi. Il y a la réussite, waouh, la réussite, l'élévation derrière. Donc pour moi, cette opportunité, ce coup de chance pourrait bel et bien provenir d'une femme. Et en tout cas. Très belle carte derrière. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on retrouve cette carte. Ouh là 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 là. Bon, on nous dit que là, à l'instant T, depuis, enfin, passé, présent, là, vous êtes peut-être fatigué, essoufflé, là, vous en avez marre. Vous êtes aussi dans une phase où vous avez envie de vous débarrasser plein de choses. Vous débarrasser de votre passé, de vous débarrasser peut-être de votre mec, de votre nana, de votre maison, de votre boulot, peut-être tout à la fois. Vous êtes dans une énergie comme ça où vous voulez vous dépouiller là de tout ce que vous ne voulez plus ou qui vous correspond plus. Vous voulez vous alléger. Voilà, on est dans ça. On vous dit que va venir pour vous de toute façon des nouvelles, des courriers, des contacts. Voilà, il y a de la communication qui vient à vous. Peut-être justement cette femme. En tout cas, par les traits d'une femme. Voilà, donc là, c'est vraiment le côté. Ça vient à vous, il y a de la communication, des nouvelles, peu importe sous quelle forme elles arrivent. Voilà. On nous dit quoi? On dit que bel et bien y avoir cet événement à fêter, hein, cet événement joyeux qu'on avait. Donc il y a bien quelque chose, soit une promotion dans l'air, soit vous trouvez, je sais pas moi, vous vendez votre maison, vous achetez une maison, vous faites vie commune, je sais pas, là j'ai pas tout qui me. Voilà. En tout cas, on nous dit que ça peut bel et bien concerner une affaire qui était déjà en cours. Ça peut être une affaire dans le sens procès, mais ça peut être aussi une affaire dans le sens voilà, des démarches en cours. D'accord? Ou vis-à-vis d'une personne qui a quand même un fort caractère, hein, qui n'est pas facile, facile. Ça peut aussi vous représenter vous, comme quoi on veut vous rappeler que vous avez l'énergie pour gérer tout ça, vous avez la force et la puissance hein, pour assumer ces changements, pour assumer ce qui vient à vous. Voilà. Donc, ça peut être une promotion, bel et bien une promotion pour certains, certaines, pour un poste plus élevé, pour un poste à responsabilité, soit dans votre entreprise actuelle, soit dans une nouvelle entreprise. Donc ça, c'est vraiment au sens professionnel, ces trois-là sont très parlantes au niveau travail. Ça peut être bel et bien cela. Ça pourra éventuellement nous indiquer pour d'autres ce que ça concerne. Donc une procédure, une affaire vis-à-vis donc du monde extérieur, de l'environnement, d'un. Alors ça peut être aussi vis-à-vis d'une entreprise ou une ancienne entreprise, mais ça peut être aussi par rapport. Au fait d'avoir peut-être des choses immobilières à récupérer, d'accord? Des procédures comme ça en lien un peu avec l'immobilier ou en lien avec le professionnel. Et là, voilà, il y a quelque chose de joyeux qui vient à vous par rapport à ce contexte extérieur. Autre cas, ça peut nous évoquer aussi une affaire donc de déménagement ou de mutation. Tout simplement, mutation encore professionnelle de vouloir bouger ailleurs sans forcément changer de métier et sinon des nouvelles qui viennent à vous concernant du coup le fait de déménager. Bon,
Allez, on va aller voir ce qu'on a. Oula. Eh ben, regardez, là, on est encore sur du général. On a la carte du compromis qui a voulu parler. Donc, de toute façon, il y a un compromis qui va être trouvé vis-à-vis soit d'une négociation qui est déjà en cours, une négociation qui arrive. Soit c'est dans le côté conciliation, on se met d'accord, on essaye de tomber chacun sur ses pattes pour que tout le monde soit content en fonction de votre domaine, en fonction de vos démarches, si c'est vis-à-vis d'un patron, si c'est vis-à-vis d'un partenaire, si c'est vis-à-vis d'un agent immobilier. Bref, notion de compromis qui va être trouvé pour que les choses se réalisent et que tout le monde soit OK. Que ce soit un avenant de contrat, que ce soit tout ce que vous voulez. Par rapport à des choses qui sont déjà retardées ou qui vont l'être encore un petit peu. Doucement les cartes, doucement. Et ça veut sauter, ça veut sauter. Allez. Ah bah alors, sentimentalement, pour ce 27 mai 2021, eh ben, on a une décision, un chemin à prendre concernant des discussions qui ont déjà eu lieu. Enfin, il y a une décision qui va arriver suite à des discussions. Donc là, on retrouve un peu l'idée de négociation, etc. Soit la décision viendra si la discussion n'a pas encore eu lieu. Peut-être que cette discussion, elle aura lieu demain. Enfin, demain, on est le 26 encore. Là, au moment où je vous fais le tirage, je vous le fais la veille, donc... Cette discussion aura peut-être lieu ce jeudi 27 ou elle a d'ores et déjà eu lieu. En tout cas, quelle que soit la décision, le chemin qui vient à vous, le choix qui vient à vous, que ce soit dans le sens que vous attendez cette décision de l'extérieur ou c'est vous qui la prenez, on vous dit que c'est positif. D'accord ? Allez. Allez, et toi, clac, clac, clac. Bon. D'autres decks, on a la carte des paroles. Que j'utilise avec précaution. Parole, amitié, ouverture. Bon. Alors. Il peut y avoir de la discussion aussi avec les amis, l'entourage, mais ça peut être aussi dans le sens plutôt, qu'en dira-t-on, plutôt un peu plus jugement, genre il y a peut-être, soit vous discutez avec des amis de tout cela, et c'est dans le sens d'y voir plus clair, d'avoir leur avis, voilà. Soit il y a des amis qui ne sont pas si sincères, qui vous font bien par devant, mais voilà, qui par derrière parlent un petit peu sur votre dos. En tout cas, on a une ouverture, ouais, ben, on a la clairvoyance, on vous dit que vous allez voir clair aussi. Hein. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir, vous allez voir clair. Ouh, il y a le voyage, le déplacement, le déménagement, le compromis. On vous dit, oh, double oui. Donc là, quoi qu'il vienne à vous, là, concernant un compromis, une décision, effectivement, là, je reconfirme, on vous dit bien que ce sera quelque chose de positif pour vous. Seul bémol, j'ai l'impression quand même que par rapport à ces changements ou vos projets, parce que peut-être que vous, voilà, c'est déjà des choses qui, vous n'allez pas être surpris, c'est déjà des choses que vous êtes en train de mettre en place, que vous avez en tête. J'ai bien l'impression qu'en fait, il y a quand même des amis là qui vont... Ça va pas trop leur plaire. Alors, soit c'est pas méchant, hein, parce que j'ai des belles cartes, mais bon, c'est peut-être pas non plus, voilà, des mauvaises intentions. C'est peut-être le côté, ça les chiffonne si vous êtes amené à devoir déménager, être muté ailleurs. Voilà. Peut-être qu'ils vont vouloir vous en dissuader ou alors ils vont faire genre ils sont contents devant vous mais par derrière voilà ils vont me dire mais pourquoi qu'il a fait ça, je comprends pas, etc. Voilà, il y a un petit bémol là, je sais pas.
toute façon, c'est à vous de prendre la décision. C'est votre vie à vous, pas celle de vos amis. Même si des fois, la vie des amis compte. Hein. N'oubliez pas que c'est quand même vous et pas eux. Bon, on a bien la carte du rêve. Donc là, à l'instant T, tous et toutes, quoi qu'il en soit, vous avez des rêves, des projets que vous souhaitez mettre en place. Là, pour moi, on n'est pas trop dans le, on n'est pas trop dans du sentimental, un peu quand même. Je pense que ça va être relativement sensiblement pareil pour tout le monde. Donc, on nous dit que là, il y a des nouvelles qui viennent à vous, de toute façon. Arrivent des nouvelles de la correspondance, des nouvelles d'une personne, mais ça peut être aussi une des nouvelles de vos projets. Parce que vous attendez que vos projets aussi évoluent pour aussi pouvoir avancer dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale. Donc, soit effectivement, là, mes amis célibataires, vous avez bien quelqu'un en tête ou vous rêvez à quelqu'un qui peut-être là, passé présent, est déjà un petit peu rentré dans votre vie, ou il va y avoir beaucoup de communication avec cette personne quand elle va venir à vous, ou il y en a d'ores et déjà. Et du coup, vous y pensez déjà beaucoup, vous venez de faire la rencontre de quelqu'un, peut-être, voilà. Il y a beaucoup de communication, ou il y en aura, concernant le fait donc de récupérer positivement par rapport un petit peu à votre passif sentimental, ou par rapport au fait que justement, cette personne, il y a de fortes chances pour moi qu'elle ne soit pas auprès de vous, qui est une histoire géographique, une histoire de distance. Et il y aura une prise de décision à prendre par rapport à ça, pour savoir voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on s'y prend par rapport à cette notion donc de séparation géographique, hein, qui est quand même au cœur de tout ça. Pour ceux qui sont en couple, hein, bah vous aussi, vous avez quand même des projets. De toute façon, des projets, vous attendez des retours. Vous, vous c'est plutôt, voilà, vous attendez des retours de l'extérieur, des courriers, des appels, etc. On avait quand même cette carte de déménagement ou de mutation. Enfin, il y a du changement dans l'air, de toute façon, quoi qu'il en soit. Justement, pour récupérer positivement... pour aller de l'avant, tout simplement, vous avez peut-être envie de couper votre façon de vivre, votre façon de fonctionner, de tout simplement avoir envie tout simplement de créer un renouveau dans votre vie de couple. Et vous souhaitez un petit peu bousculer tout quoi pour repartir sur une nouvelle base, une autre région, un nouveau travail ou voilà, une nouvelle maison, peu importe, il y a de ça dans l'air. Pour ceux qui ne vivent pas ensemble, vous, ce sera surtout concentré, comme les célibataires, sur cette notion de distance géographique dont vous voulez mettre un terme. Parce que c'est le point, un petit peu, le bémol, en fait, dans votre relation qui vous enquiquine. D'où le fait que pour moi, voilà, les amis, vous prenez peut-être leur avis. Alors, ça peut être prendre l'avis pour aller rejoindre le chéri, la chérie, mais peut-être que vous prenez l'avis dans le sens où c'est vous qui allez accueillir le chéri, la chérie. Puis peut-être que les amis, voilà, on se permettent de dire « Ah, mais t'es sûre, t'as réfléchi, c'est pas un peu trop tôt pour vivre avec elle, pour vivre avec lui ?» D'accord ? Que ce soit dans le sens « C'est vous qui allez accueillir votre partenaire ou vous qui allez le rejoindre. » Pour moi, il y a de ça. Donc, c'est à vous seul de prendre la décision et de savoir ce qui est bon pour vous. Ne vous laissez pas influencer non plus par vos amis. Ils ont leur vie, d'accord ? Eux aussi, ils ont leur couple, leur famille, leur ressenti. Et donc, chacun sa vie. On a beau être amis, vous, ce n'est pas eux. Et eux, ce n'est pas vous. Pour moi, il y a de ça. Hein, parce qu'on voit bien que derrière, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, l'ouverture. Vous allez écouter vos ressentis, vous allez sentir les choses. Il y a quand même le « ça bouge dans les énergies, ça bouge physiquement, ça se déplace, ça voyage, ça déménage, il y a du compromis pour moi et on vous dit oui, malgré que vous allez vous sentir un peu peut-être perdu, un peu inquiète, voilà. Donc pour moi, tous et toutes, il y a du gros changement comme ça, hein. On décide de déménager, d'être muté, de vendre sa maison, de vivre ensemble. Je vous ai dit, ça va être plus ou moins pareil pour tout le monde. Ceux qui attendent le retour de l'ex, ben vous, hein, vous êtes nostalgique, vous pensez à lui, vous rêvez qu'il vous appelle. Bon, on vous dit qu'effectivement, il va y avoir des nouvelles de la correspondance qui va revenir à vous. Le retour avec le boomerang de la personne du passé. Et on prend une décision, on va devoir se positionner justement par rapport à cette séparation. Qu'est-ce qu'on fait ?
On y retourne, on n'y retourne pas. Il est revenu, mais est-ce qu'il va repartir? On coupe aussi notre façon de faire, parce qu'on voit bien que la première fois, ça n'a pas été bénéfique. Bon, on a la tranquillité hein, sur ça. Vous pouvez être tranquille, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, on vous dit. Concernant cette notion de distance géographique ou cette notion de séparation qui avait déjà eu lieu pour ceux qui attendent le retour de l'ex, on vous dit, vous pouvez être tranquille. C'est vraiment de la prise de décision sur ce que vous voulez mettre en place. Pour moi, au mois de juin, là, on est dans le fait que on veut un petit peu finir de guérir certaines choses, essayer un petit peu d'aboutir les choses qui ne sont pas complètement encore réglées pour enfin poser des actions et on a envie d'avancer, on a envie de passer en mode ouais, action concrète là. On veut que ça bouge vraiment là. On a assez travaillé sur soi, assez travaillé sur des choses. Et là maintenant, au mois de juin, on a envie que ça bouge. Bon, et on a bien le changement. Qui de base, hein, je voulais la poser là, Jamila, mais. Donc on va. C'est bien une décision pour du changement, pour un nouveau cycle. Hein. Pour aller de l'avant, vous avez apporté l'eau à votre moulin, dans le sens où vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé dans votre couple avec votre partenaire, sur ce que vous vouliez, ce que vous vouliez plus, que ce soit tout seul, à deux, etc. Donc c'est bien une prise de décision, un nouveau chemin pour aller vers un nouveau cycle, pour aller vers du changement. Donc voilà, pour moi, mes amis, on est vraiment sur de la prise de décision pour franchir des étapes. Waouh! Et le dos de deck, c'est. Naissance, nouveau départ. Donc, vous voyez, pour certains, certaines, ça sera vraiment dans le sens où on passe à l'étape supérieure avec un enfant. Pour d'autres, ce sera nouvelle maison, nouveau travail, nouvelle relation, nouveau tout à la fois, nouvelle vie. Et on a bien le retour. Donc, pour ceux et celles qui attendent le retour de l'ex, c'est bien le nouveau départ avec le retour de la personne du passé. Et pour les autres, c'est vraiment le côté, on a les deux roues. Hein, c'est vraiment le côté, la roue qui tourne. Le vent qui tourne, voilà, il y a quelque chose qui s'enclenche, on retrouve une chaleur, un épanouissement, il y a un vrai renouveau qui se fait. Voilà, au niveau des énergies, là, il y a une rotation pour du nouveau départ, pour de la nouvelle vie, du nouveau travail, tout ce que vous voulez. Donc voilà les amis pour cette journée du 27 mai. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter un excellent jeudi. Je vous fais plein de gros gros bisous. Et puis ben moi je m'attelle aux horoscopes de juin. Voilà, donc j'ai du boulot. Plein de gros bisous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un petit pouce, mettez vos avis. Ça fait toujours plaisir de savoir que ça vous a parlé, même quand c'est pas toujours très très. Très très positif. N'empêche qu'au moins, voilà, c'est toujours intéressant que. Quand je sais que ça a résonné pour des personnes. Voilà, ça peut être pour une, ça peut être pour 10. Dans tous les cas, on sait qu'au moins ça a parlé pour quelqu'un et c'est ce qui compte. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous, ciao!